Vivre ici dans la MRC de Matawini conduit les nouveaux résidents à faire d'agréables découvertes. Découvrez dans cette capsule leurs préférences en matière de cuisine, d'expression populaire et d'activité de plein air. Est-ce que tu peux nous dire quelle a été ta découverte culinaire ou ton plat préféré ici au Québec? La poutine. Évidemment, la poutine. Pour moi, la meilleure chose qui existe ici, c'est la poutine. La poutine. La poutine, tellement de sortes. Chaque sauce est différente. Chaque restaurant, c'est patates, c'est fromage. Oh, wow. C'est trop simple, mais c'est juste délicieux. La poutine, j'aime ça. Mais on se comprend bien que quand tu regardes ça, là, tu dis, ça n'a pas l'air bon. Mais j'adore ça. Okay. Ah oui, c'est mon plat préféré. Puis du spaghetti. Le spaghetti aussi. Ouais, ouais. Au début, je n'étais pas du tout amie du sirop d'érable. Je l'ai découvert avec quelques années. C'est un goût auquel j'ai dû m'habituer. Et là, ça me remplace de ce qu'il n'y a rien de mieux que faire de la pâtisserie avec. Est-ce que tu as une expression québécoise préférée? Ah, j'en ai plusieurs que j'aime beaucoup. Ouais, c'est le « Ah ouais, là-bas ». Ah oui, là-bas, ça a pris du temps, mais c'est ah oui, là-bas, j'aime ça. C'est malade. Ça se peut-tu? Papantoute. Papantoute? Je sais pas si on peut considérer que c'est une expression. Celle qui m'a fait rire le plus, c'est l'expression d'être habillée comme la chienne à Jacques. Ah oui, c'est vrai. Parce que quand je l'ai entendue la première fois, je ne comprenais pas du tout. Je me suis dit, mais voyons donc, on n'habille pas un chien. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles activités as-tu découvertes ici? La raquette. La raquette. Oui, faire de la raquette. Je trouve ça tellement fun. Sortir l'hiver et profiter de la belle nature de notre mère terre. Oh. C'est vraiment spécial. Et aussi les cabanes à sucre. Il y en a tellement partout que c'est juste trop bon. Puis on se casse le ventre quand on va dans voilà. J'aime ça aller au resto, découvrir les microbrasseries. J'aime ça découvrir toutes les petites choses cachées et magique qu'on peut trouver dans les microbrasseries et les restaurants. Est-ce que tu as un endroit que tu préfères en Matawini, où tu préfères aller? Puisque j'ai vécu plus ici à Rawdon, mon endroit donc préféré, c'est évidemment la plage municipale. On peut se baigner là-bas, on peut pique-niquer là-bas, on peut jouer au volleyball, on peut faire du kayak, on peut pêcher, voilà. Ah. Vous voyez pourquoi, vous comprenez pourquoi j'aime cet endroit-là? Mon endroit préféré, ça va rester toujours le lac Toro. Le lac Toro? Oui. C'est où ce qui habitaient mes parents. Puis pour moi, ça, voir les lacs Toro, ça amène que des beaux souvenirs. Le premier endroit préféré, c'est la plage de la Pointe-Fine. C'est au bord du lac Toro. Et en été, chaque soir, je vais prendre la marche dans l'eau, là-bas. C'est, je pourrais dire, paradisiaque. Le coucher du soleil est extraordinaire. C'est vrai. Deuxième endroit, si je peux me le permettre, c'est les Sept Chutes. Oui. Faire la randonnée des Sept Chutes, découvrir les lacs qui sont tout là des montagnes, oui. Est-ce que tu as un endroit préféré ici dans la Matawini? Oui, c'est mon chez-moi. Non, vraiment, c'est, j'ai toute la beauté déjà dans ma cour et je me sens à chaque matin assez privilégiée de vivre là où la plupart du monde veulent faire des vacances.